Salut tout le monde les amis, c'est Cruxy, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, motherfuckers. Et aujourd'hui on se retrouve pour du Cruxy tout terrain numéro 5. Alors petite info, j'ai fait le Cruxy tout terrain juste avant en fait, je l'ai déjà enregistré. Le souci c'est que mon micro, une fois que la vidéo était terminée, je me suis rendu compte qu'il était dégueulasse. Mais genre vous voyez là comme ça c'est maintenant, mais genre x12. Vous voyez, truc vraiment ignoble et vomi. Donc j'ai vomi sur mon clavier. Hein. Et donc ça fait que plutôt que j'ai essayé de bidouiller le son, tout ça, mais ça rendait quand même dégueulasse. Donc je le refais. On va partir sur des pistes que j'ai faites là tout à l'heure. On va pas toutes les refaire hein, parce que j'en avais fait pas mal et tout. Je vais partir sur quelques pistes que j'avais fait tout à l'heure sur le Cruxy tout-terrain. Et nous allons commencer par celle-ci. Je l'avais fait, je crois. Ouais, je l'avais faite. Donc on va aller dessus. Elle est plutôt pas mal du tout. Ensuite, on fera aussi des pistes que j'ai jamais faites, bien sûr. Mais voilà, donc je préfère le refaire. Là, normalement, j'ai vérifié, le micro est good. Juste, mais pour info, si jamais... Attends, deux secondes, je baisse le son de la télé. Voilà, parce que sinon, ça va m'emmerder, en fait. Mais si jamais le micro devait être, encore une fois, vomi, c'est-à-dire dégueulasse et pas bueno, vous m'en excusez, je vais normalement avoir... Enfin, je vais me débrouiller là pour essayer d'avoir un casque, un nouveau. Pour faire quelque chose de mieux, parce que là je sais pas si en fait c'est juste que mon micro était mal mis et au final ça a rendu un truc dégueulasse, ou est-ce que c'est mon micro qui meurt à petit feu à feu doux, n'est-ce pas, et qui fait que j'aurais beau tout y faire, ma voix sera de toute façon dégueulasse. Donc voilà, j'espère que là normalement ça ira, et si ça ne va pas, et eh ben je m'en excuse. Bon, c'est pas non plus un truc pas écoutable hein, mais bon, moi je trouve ça vomi. Oh, je suis pas mal. Oh, j'ai été pas mal du tout là. Bon, ça c'est une piste ninja level 1 pour ceux que ça intéresse. Tout à l'heure, j'ai enregistré le deuxième épisode des montagnes magiqueuses et ça s'est très bien passé, je vous l'informe. Ce sera dispo je sais pas quand. Je sais pas quand. Voilà. C'est un bon jour, je trouve. Non, je sais pas du tout. Par contre, tu vas passer ou sinon je te jure que je te tue. Bon, putain, l'enfoiré. À part ça, j'ai fait un. Et Cruxy, dis-moi, tu serais pas trop une grosse. Hein? Voilà? Non, passe, voilà, nom de Dieu. Ah, on a géré là, 3 fautes et 18 secondes de moins que mon précédent record. Ah, c'est pas mal, je me suis bien débrouillé. Mais vous voyez, il y a pas mal de gens qui l'ont fait quand même. J'ai fait 3 fautes, je suis 65ème. Donc c'est du ninja level 1, mais facile. C'est parfait pour vous entraîner, ça d'ailleurs. Voilà, c'est une piste parfaite. Si jamais vous voulez une piste cool, que vous commencez les pistes ninja, go sur celle-là, les amis. Elle est plutôt pas mal du tout. Une fois la vidéo terminée, je vous montrerai le record du numéro 1 mondial sur cette piste. Qui est une piste tout à fait horrible et dégueulasse. Et impossible. Et Ninja level 4 aussi, en passant, juste comme ça. On va partir sur les amis, sur celle-ci, qui est une piste extrême et qui est tout à fait plaisante, n'est-ce pas? Au final, vu que j'ai torché celle d'avant, je vais peut-être arriver... Putain, j'ai peur, là, je suis en train de parler, j'ai peur que mon micro soit dégueu, quoi. Oh là là, je me chie dessus. Bref, on verra, de toute façon, hein, j'ai vraiment peur. J'ai pas envie, putain. En plus, je suis deck parce que le... Franchement, honnêtement, la vidéo d'avant était vraiment cool. En plus j'avais fait quelque chose de drôle et tout, c'était vraiment cool, donc je suis assez déçu parce que c'est au final la meilleure vidéo Cruxy tout terrain que j'allais vous proposer, et au final, bah carotte, non, je ne vous la propose pas, n'est-ce pas? Ah non, échec! Voilà, donc quand je fais ça en principe, c'est que je me transforme, ah, si jamais vous m'excusez. Hop, on se calme. Non, petit... Non, monsieur, non. Niquise. Ok, non, là, il faut se calmer déjà, hein, Cruxy, putain de bordel, relaxe-toi. Alors, encore une fois, sur ces vidéos, excusez-moi pour les gros mots, les insultes et tout, hein, c'est vraiment, je le redis encore une fois, des vidéos fun, sans aucune préparation, en mode... Enfin, quoi que si, celle-là, elle est préparée, vu que je sais, la deuxième fois, je l'enregistre, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Par contre, tu feras gaffe, monsieur sur la moto, faut essayer de monter, en fait. Juste plutôt que de rester sur le truc rouge, là, comme un gogolito. Voilà. Non, c'est que j'ai eu peur de tomber, en fait, donc c'est pour ça que je suis allé doucement. Là, j'ai failli tomber. Ça, c'est un obstacle dégueulasse, hein.
Oh, j'ai réussi. Oh, alors la première fois, je passe du premier coup. Dommage. La première fois que j'ai fait cet obstacle, honnêtement, j'ai dû mettre 50 fautes dessus, si c'est pas plus. Parce que j'ai juste trimé. Je le trouvais assez dégueulasse et pas très bien foutu. Mais au final, bon, alors voilà, je suis passé ici. Je suis assez content. J'en suis à 3 fautes, hein, n'est-ce pas? Ce qui est plutôt. Ce qui est plutôt à chier. Parce que je suis tombé comme une vieille chaussette, quoi. Putain de dieu! Hop! Ça passe! Ouf, machine! Hop là, on se fait pas chier, on monte pas en haut, on passe par en dessous, hein, c'est plus facile. Donc pourquoi sans Kikikus? Hop! Ouh, plutôt pas mal tout ça. Hop! Là, c'est un peu l'obstacle qui est à la fin de. Ah! Échec. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo sur Montagne Magique. J'ai déjà enregistré le deuxième, donc. Et voilà. J'espère que vous avez aimé et que si vous n'êtes pas au courant que c'est sorti, eh bien allez voir, n'est-ce pas? Parce que j'essaierai de penser à la mettre en description, mais comme d'habitude, ça risque d'être compliqué. Il y a des playlists sur ma chaîne, vous la trouverez facilement, c'est très facile, voilà. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Ça, ces pistes de Spyrox ou Spyrox, comme vous voulez, je ne sais pas trop comment il veut qu'on l'appelle, c'est un français en tout cas, que connaît très bien, très bien, je sais pas, mais que connaît mon pote Magic. Et si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi d'ailleurs, allez voir ses pistes à lui, elles sont super fun. Les trucs d'obstacles, hein, c'est vraiment pas mal du tout, ça vous apprend à passer des obstacles. Déjà, je vais vous la montrer, hein, ça dure 10 secondes. C'est juste un obstacle en fait, et ça vous apprend à passer des obstacles de ninja en fait, que ce soit du ninja level 1, 2, 3, enfin il y a surtout des trucs assez simples, des trucs de base, disons, on va appeler ça les obstacles de base, c'est des trucs qu'il faut que vous sachiez faire en fait. Donc là par exemple, c'est avancer sur la roue, si je pose ma roue arrière, voilà, ça capote. Donc le but du jeu, c'est d'avancer, mais vous voyez, c'est pas non plus super. Voilà, hop, c'est fini, ça a duré 5 secondes, voilà, j'ai même battu mon record. Mais en gros, voilà, ça vous apprend, hein. Là, il y avait des planches, je sais pas si vous avez vu, il fallait monter, c'était pas tout à la même hauteur, ça se voyait pas forcément très bien, mais quand vous êtes sur la moto et que vous tenez la manette, vous le sentez bien. Et comme ça, au moins, d'ailleurs, je suis devant toi, Magic, donc voilà, t'es vraiment une grosse caca, tu es même, je dirais, nul à chier, je tiens à t'informer. Voilà, au moins ça c'est dit, vu que j'ai battu ton record, voilà. Bonjour et bonsoir. Celle-là elle est pas mal aussi, mais j'ai pas envie de vous la montrer parce que je vais me ridiculiser. Et il y a un obstacle où je vais mettre du temps sûrement à passer. À moins que je fasse l'avance rapide. Ouh là 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 là. Je sais pas encore. On va voir si vous êtes sage. Si vous êtes. Voilà. Je ferai l'avance rapide. Ça c'est Apocalypse machin là. Le mec là, lui il fait des obstacles ignobles. Mais ignobles. Vraiment impossible, j'ai essayé plusieurs, j'en ai pas passé un. Cette piste elle est assez cool, d'ailleurs je crois qu'elle y est sur ma chaîne secondaire, ou elle va y être en tout cas, donc je vais pas vous la montrer là. Non, on va aller, on est chaud. On va aller sur une piste qu'on connaît pas. Voilà, tout simplement. Vous avez cru que j'allais faire quelque chose. Ah non, d'abord je vais vous montrer quelque chose. Oh putain, d'abord je vais vous montrer quelque chose. Alors attendez, elle est où? Elle est là, celle-là. De A7X Forever. Donc ça, pour beaucoup, c'est le meilleur pilote, ce type-là, du truc ninja. Il est trop, trop fort. Le mec, c'est juste un génie des pistes ninja, quoi. Le mec fait des ninjas level 2, 3, en 0 faute. Enfin, voilà, quoi. Le mec est à peine plus fort que moi, disons-le comme ça. Alors ça c'est un mouvement qu'il faut... que vous sachiez maîtriser, vous faites des ninjas. Mais alors, on le retrouve surtout dans les pistes ninja. Oh! Oh! Oh my god! Oh non! Non! Oh, comment je fais là? S'il vous plaît, pause! Comment je fais? Non! Ça prend pas, j'arrive aussi loin! Oh my god! Ah, j'ai essayé de faire une technique de chevreuil mort, mais ça a pas marché, quoi. Putain. Alors ça, j'y arrive que depuis hier, en fait, pour vous dire. Avant, je faisais un peu ça. Regardez, je faisais... Voilà, comme ça, un peu comme ça. Ou sinon, par chance, je faisais un peu ça. Voilà, un peu comme ça. Donc,
Maintenant que j'arrive à aller un peu plus loin, voilà, parfait. Maintenant que j'arrive à aller un peu plus... voilà, vous m'avez compris. J'essaye de faire quelque chose de... Ok, j'ai appuyé sur Select sans le faire exprès, bien évidemment, le bouton Select, qui est super bien placé pour jouer à Trial, parce que des fois, on appuie dessus. Ah, dommage. Donc voilà, ça, c'est des trucs qu'il faut vous, que vous sachiez faire. Oh là, j'arrive pas à parler, my god. Quand vous faites des ninjas level 1, vous aurez des obstacles comme ça, mais surtout genre un ou deux trucs à sauter. Vous n'allez pas en avoir beaucoup. Mais il y a des ninjas, si vous êtes plus corsé et que vous allez sur des ninjas level 2, 3 ou plus, hein, pourquoi pas, vous pourriez en avoir des aussi longs que celui-ci, voire même peut-être plus long. Hein. Il me semble qu'il y avait une course qui avait été faite. Je chiale. Putain de dieu, quoi. Allez, dernier essai. Échec, parce que je le sais et je le sens. Oh non! Oh non! Ah non, 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 fais un autre, s'il vous plaît. Un autre essai. Un autre essai avant de quitter la course. S'il vous plaît. Bon, ok, on quitte la course. Bon, en tout cas, voilà. Ça, il faut que vous sachiez le faire, nom de Dieu. Donc, en gros, c'est très simple. Vous faites un droite-gauche une fois que vous êtes à plat pour vous mettre sur la roue arrière. Vous maintenez le frein appuyé pour reculer, n'est-ce pas? Et ensuite, vous faites une succession de mouvements. Je sais plus si c'est droite-gauche ou gauche-droite pour sauter, en fait. Voilà, et vous le faites et jusqu'à arriver au bout. Au début, vous allez pas arriver à sauter. Ensuite, vous arriverez pas trop à sauter non plus. Et au bout d'un moment, vous commencerez à essayer d'arriver à sauter. Et après, vous y arriverez, peut-être. Voilà, un peu comme moi. Ça, c'est un obstacle que je veux vous montrer, puisque c'est du BMX, et ça change un peu. Et c'est une piste qui est très très cool. Une piste, un obstacle, plutôt un seul obstacle, que je n'ai pas réussi à faire encore, n'est-ce pas? En gros, d'ailleurs, il y a marqué 5, donc c'est sûrement le cinquième obstacle d'une... Ah, il faut pas aller trop loin, sinon on tape la tête, et pas aller trop court, sinon on tombe dans le vide, et là on retombe dans le vide. Ah. Hop, alors là, vous mettez... Ok, donc vous faites pas ça, hein. Vous mettez sur la roue avant. Ah non, non, j'ai chié mon essai. Donc, le premier obstacle est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, il faut aller vite parce que sinon vous tombez. Mais en même temps, il faut aller doucement parce que sinon vous faites un peu ça. Voilà, et ça, c'est un peu dégueulasse. Il faut dire ce qui est. Putain, c'est chaud. Mais je vais arriver, hein. Allez, on va y arriver. Hop. Encore une fois, par contre, je m'excuse, vous entendez sûrement les joysticks. Hop. Voilà, donc là, faut faire le petit saut. Ensuite, là, vous sautez, vous rebondissez, vous touchez pas la dynamite, sinon ça fait badaboum. Là, ensuite, vous prenez de l'élan. Hop. Et vous montez. Là, c'est un peu délicat. Il faut faire ça en roue arrière. Ensuite, il faut mettre la roue arrière sur la cible et enlever les bombes. On réessaye un dernier coup. Ah, dommage. Ah, Alicuse. Bon, on va s'arrêter là. On va pas. Mais en gros, vous avez vu ça aussi? C'est un obstacle que vous pourriez essayer. Mais j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai avancé dans le truc, donc c'est pas forcément chiant. Mais c'est un obstacle qui est pas mal du tout et je vous le conseille vivement. On en est à 14 minutes. On va garder genre 3 minutes pour faire ça après. Mais là pour l'instant on va aller se faire. Écoutez, on est chaud, on va aller se faire là. Celle-là. Par contre, j'annonce. Je vais sûrement faire des petites avances rapides à certains endroits parce que il est possible que je mette, je sais pas, peut-être 10 minutes pour arriver à faire la piste. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Peut-être que je vais mettre 3 minutes parce que ça va rouler comme sur des roulettes. Peut-être que je vais en mettre plus. Donc, si jamais je ferai des petites avances, j'y penserai de toute façon. Sinon, ça fera trop long. Donc voilà, je risque pas d'oublier ce genre de truc. Et puis voilà, comme ça, ce sera cool. Et j'espère encore une fois, j'ai encore peur que ma voix ne sera pas dégueulasse. Tout ce qui est vert, c'est roue avant. Tout ce qui est blanc, c'est roue les deux. Et tout ce qui est rouge, c'est roue arrière. Donc là, en gros, le but, c'est roue avant,
Hop, roue avant, on freine, on accroche le garde-boue arrière. C'est du ninja level 1, hein, du ninja level 1, pas forcément simple, pas forcément, il y a des trucs plus durs. Hein, Hop, voilà, et tout ce qui est noir, ah oui, de noir est interdit dans cette piste, il ne faut pas toucher. Si vous touchez, vous êtes foutu, vous brûlez en enfer, vous êtes mort, vous êtes décédé. Voilà. Et alors là, j'ai passé le premier obstacle, donc vous avez vu, là je suis en train de galérer comme un putain d'abruti pour un truc super facile. Mais en tout cas, l'obstacle. Putain, t'es sérieux, Cruxy là? L'obstacle que je suis en train de faire là, il est pas facile du tout. Pas pour ça, mais pour la suite. J'ai cru que ma roue avant allait toucher. Parfait. Donc là, on recule. Attention, il y a du noir derrière, donc allez, reculez pas trop. Là, c'est roue avant. Roue arrière plutôt, et là faut en fait voilà, c'est sûrement là que, à mon avis, on va se retrouver juste après l'obstacle pour parce que je vais sûrement mettre un peu de temps. On réessaye ensemble un dernier coup. Voilà, ok. Donc là, non! Voilà, ok. Bon, à de suite. Et c'est passé! Et c'est le but! Pff, je suis passé! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Pardon, excusez-moi. Donc voilà, je suis passé, hein. Hop! Donc là, il faut toucher le truc ici, là, pour que ça se transforme en blanc. Et là, ici, voilà, il faut faire ça. Donc là, sautez pas non plus super haut. Voilà. Vous passez et vous tombez, n'est-ce pas, hein? Voilà. Il faut relaxer, hein. Par contre, vous ferez gaffe sur cette piste. Plutôt pas mal, hein, cet essai. Ah non, noir, il faut pas toucher. Oh, mais my god! Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à lever ma roue arrière? Ah! Ah, j'étais presque là, j'ai compris. Bon, sachez que je l'ai faite qu'une fois, hein, la piste, hein, si jamais. Hein. Et elle est un peu dure. Oh! Oh, c'est passé! Oh, à un mini putain de millimètre! Oh là là, my god! Oh là 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 là! Oh non, là, échec! Par contre, bon, ça c'est super facile, par contre, voilà, là vous accélérez. Là vous. Hop, vous sautez. Voilà, et là vous tombez. Nicuse. Voilà, là vous tapez la tête aussi parce que vous êtes un gogol. Là vous retapez la tête, hein, parce que vous avez pas compris encore que vous étiez débile. Excusez-moi pour ces bruits désagréables, hein, mais ça m'apaise. J'espère que ce sera pas trop dégueulasse. Bon allez les amis, on passe ou quoi là? Putain, mais franchement, je suis trop nul, quoi. C'est ridicule, là, de pas arriver à faire ça, quoi. Je vais sortir l'excuse, on est en vidéo, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, on est en vidéo, hein, donc soyez indulgents. Ouais, pas mal, pas mal. Hey, salut! C'est une honte, hein, de pas arriver là, par contre. C'est une fucking honte. Relaxons ensemble, mes amis. Pourquoi ma tête elle touche à chaque fois? C'est mon casque. C'est les plumes. Oh non, j'y étais. Mais en fait, j'ai cru que j'étais tombé. Ouais, bah là, j'ai vraiment de la peine. Allez, genre, je suis vraiment navré. Je vais pas avancer ça. Hein. C'est ouf, hein. Bon, quoi que si, je vais avancer si jamais j'y arrive pas. Oui! Oh putain! Mais c'est ouf le temps que j'ai mis quoi! J'ai jamais mis autant de temps pour faire cet obstacle, même la première fois que je l'ai fait quoi! Putain, j'ai trimé! Oh! Je suis désolé les gens quoi! Ouais d'accord, GG, un truc si bien joué!
Ah non, c'est la chute par contre, parce que j'ai fait un peu de la caca en fait à la fin, je sais pas si vous avez vu. Hop! En fait, j'ai mon doigt qui part en live en fait sur le joystick. C'est assez pas facile. Waouh. Là, on se calme, 2 secondes, on se relaxe et on se détend parce que là, je galère alors que ça, j'y arrive normalement. Sur du plat. Voilà. On déconne pas. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal en fait ce que je viens de faire. Waouh. J'avais dit que j'aurais pas dû y aller sur celle-là. Vous m'avez forcé, voilà. Maintenant, regardez où c'est qu'on en est. Je trim comme un porc et on n'aura pas le temps de faire, de montrer la piste. Ce sera au prochain. Voilà, voilà ce que vous avez gagné à me forcer à faire des pistes. Hop, 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 hop. Ok, on s'applique par contre, s'il te plaît, Cruxy, hein, s'il te plaît. Voilà. Là, on passe au milieu. Là, on fait... Ok, d'accord. Ah oui, non, par contre, oui. Il me faut un peu plus d'élan parce que sinon, j'arriverai... Ah non, je peux pas là, j'ai pas assez d'élan. Ah dommage. Donc là c'est only roue arrière. Bah, j'ai pas parlé, j'étais concentré à l'obstacle d'avant. Je voulais pas mettre du temps dessus. C'est pas un obstacle dur, mais celui-là non plus d'ailleurs. Hein. C'est pas un obstacle dur. Hein. Hop. Ah, putain. C'est pas facile quand même. C'est pas. Enfin moi, pour moi ça, voilà c'est pareil. Ça c'est Magic qui m'a conseillé cette piste. Il m'a dit c'est enfin, même Kiar, hein, l'a mis. Pas Kiar, Spyrox l'a mis dans sa description. Moi pour moi ça c'est pas du Ninja Level 1. Hein. C'est clairement pas du Ninja Level 1. Je ne suis pas d'accord avec ceci. Hein, parce qu'il y a en fait il y a que des obstacles Level 1, mais il y en a peut-être un ou deux qui sont ouais moyens. Hein. Là, j'essaye de m'appliquer parce que ça normalement c'est facile par contre. Enfin c'est facile. Tout est relatif. Hop. Donc je suis très très loin en fait. Ce qui m'embête un peu c'est que... Bon je suis en vidéo aussi, voilà, mais je suis très loin de mon record. Même la première fois que je l'ai faite, j'ai fait moins de fautes que ça en fait. Oh joli! Ça c'est super facile hein, si jamais. Le seul problème c'est pour s'arrêter en fait. Voilà. Ce qui est chaud en fait c'est à la fin de... Souvent c'est à la fin de certains obstacles. Comment ne pas faire de faute en fait? Bon ça c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu de lâche, tout net, disons. Yo, il faut aller sur de l'hypou, impossible, sans tomber. Là, faut pas trop réfléchir, hein. Moi je fonce un peu. J'ai pas trop la technique pour pas tomber. À part avoir de la chance de pas taper la roue arrière là où il faut pas. Et voilà, on a fini la piste, les amis. J'ai fait un truc de merde, mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura l'avance rapide et tout à certains endroits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On ira pour la prochaine vidéo sur la piste que je vous ai dit là, Apollo, elle s'appelle, je crois. Histoire que je vous montre le record du mec qui est assez impressionnant. Et on fera plein d'autres trucs. Ciao, ciao, les amis. Bye bye, amusez-vous bien. Ciao!